Comment activer son potentiel, comment évoluer vers la meilleure version de soi-même, voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous partager des idées clés afin que vous puissiez améliorer votre perception de la réalité et ainsi évoluer, avancer avec davantage de facilité et de réussite dans votre parcours de vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue, je suis Thomas et je vous aide à libérer votre potentiel d'entrepreneur afin que vous puissiez créer la réalité à laquelle vous aspirez. Je pars du principe que nous avons tous un potentiel inné qui ne demande qu'à être activé, qu'à remonter à la surface. Et ce sont notamment des talents, des centres d'intérêt qui, une fois rencontrés, nous permettent d'exceller tout en contribuant positivement à la société, au monde, que ce soit sur une échelle locale ou sur une échelle globale. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que à la fois, vous tendez vers la meilleure version de vous-même, vous épanouissez particulièrement dans ce que vous faites et en même temps, vous aidez tout le monde à progresser. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement magique une fois que vous avez compris comment activer votre potentiel. Et quand on parle de tous ces sujets, j'aime beaucoup prendre l'image d'une graine. Imaginez la graine d'un arbre. Dans la graine contient déjà le potentiel de devenir un arbre. Finalement, la graine n'a pas besoin de douter est-ce qu'elle va devenir un arbre un jour. Ce qu'il faut surtout pour elle, c'est qu'elle rencontre les bonnes conditions, des conditions propices pour qu'elle puisse germer puis grandir. Pour vous, c'est un peu la même chose. La graine, la meilleure version de vous-même, elle existe déjà en vous. Elle est déjà contenue dans la graine. Dans la graine, il y a déjà toute l'intelligence pour évoluer, devenir la meilleure version de soi. Du coup, le seul travail que vous avez à faire finalement, c'est de nourrir cette graine, c'est de lui créer, lui apporter les conditions les plus propices pour qu'elle puisse s'épanouir, grandir et tendre vers sa destinée. Comment créer les conditions propices pour que ce potentiel puisse s'activer, pour que la graine puisse germer? Voilà toute la grande question. Et je dis souvent dans mes vidéos qu'il faut se concentrer sur des vibrations élevées. Alors les vibrations élevées, par exemple, je dis que c'est de la confiance, c'est de la sérénité, c'est du lâcher prise, c'est un sentiment de liberté, c'est de la gratitude. Plus vous avez ça en vous, plus le potentiel peut s'activer facilement. Et plus vous redescendez sur des fréquences beaucoup plus basses, ça va être par exemple de l'anxiété, des peurs, du stress, des doutes. À ce moment-là, le potentiel a beaucoup plus de mal à grandir et à s'activer. Donc finalement, le vrai travail que vous avez à faire au fur et à mesure qu'une journée s'écoule, c'est d'être particulièrement vigilant à vos pensées, à vos émotions, pour voir sur quoi est-ce que vous êtes en train de vous concentrer. Donc finalement, ça demande de pratiquer ce que j'appelle la pleine conscience. C'est-à-dire d'être pleinement conscient de soi, d'être pleinement conscient de l'instant présent, de ce qui se passe là, dans le moment présent. Parce que finalement, ce qui conditionne votre réussite ou ce qui conditionne votre évolution, c'est particulièrement comment est-ce que vous vous sentez là maintenant. Si vous êtes en train de trop vous focaliser sur des doutes, sur du stress, sur des préoccupations, à ce moment-là, il s'agit vraiment de se calmer, de se dire si je continue comme ça, je ne vais pas activer mon potentiel et je ne vais pas tendre vers ma destinée, je ne vais pas progresser efficacement dans mon chemin de vie. Il s'agit vraiment de faire particulièrement attention, donc à rediriger mon attention vers ce à quoi j'aspire, donc notamment de la confiance, de la sérénité, du lâcher prise. Et auquel cas, très naturellement, parce que toute l'intelligence est déjà contenue dans la graine, comme je disais, mon potentiel va s'activer parce que je suis dans des conditions très favorables, c'est-à-dire quand je suis dans ces vibrations très élevées. Tout ceci nous amène à revoir quelque peu notre perception du temps. On a souvent tendance à se représenter le temps sous un axe horizontal avec le présent au milieu, le passé d'un côté et le futur de l'autre. Et de se dire du coup qu'on avance petit à petit vers le futur. Et du coup, c'est cette représentation horizontale qui peut un petit peu nous tromper parce que plus vous revenez à l'instant présent, plus vous pratiquez la pleine conscience, plus vous remarquez que c'est davantage la qualité avec laquelle vous appréciez chaque instant qui conditionne votre futur ou qui conditionne les prochains instants présents que vous allez expérimenter ou les prochaines configurations de la réalité que vous allez expérimenter. Plus vous apprenez à vous concentrer sur des vibrations élevées, donc à vous ancrer dans le moment présent pour apprendre à vous concentrer sur la sérénité, sur la confiance, que petit à petit, votre monde extérieur vient refléter cette confiance et cette sérénité par exemple. Et du coup, votre potentiel a beaucoup plus de facilité à s'exprimer quand il est dans ces conditions. Donc finalement, c'est davantage une représentation verticale du temps qui va vous permettre de progresser. C'est vraiment de se dire à chaque instant, où est-ce que j'en suis, où en est le curseur dans la qualité du moment présent. Donc finalement, ça demande de pratiquer la pleine conscience pour vraiment s'ancrer dans le moment présent, pour devenir de plus en plus conscient de l'instant présent et du coup de plus en plus conscient de la qualité avec laquelle vous passez chaque instant présent. Et c'est ça vraiment qui détermine votre destinée, votre facilité à avancer dans votre parcours de vie. Donc finalement, votre capacité à monter, notamment sur des vibrations très élevées, peut-être probablement plus élevées encore que ce que vous pourriez imaginer, vraiment des vibrations que vous pourriez qualifier de magiques aujourd'hui. Pour monter dans ces vibrations très très élevées, il s'agit vraiment de prendre racine dans l'instant présent, d'avoir un ancrage très puissant. Donc de changer sa perception de la réalité, déjà d'arrêter de penser tout le temps, parce que chaque fois que vous pensez, vous partez dans une projection qui est soit du futur, soit du passé. Soit vous analysez quelque chose du passé, soit vous analysez un événement qui pourrait se passer dans le futur, mais du coup vous vous coupez de l'instant présent. Donc pour réussir à passer sur cette échelle davantage verticale de la réalité ou du temps
on est davantage sur cette notion de qualité plutôt que sur une projection passé-futur, il s'agit de lâcher un petit peu prise sur ses pensées. Plus vous lâchez prise sur vos pensées, plus vous redevenez conscient de vous-même, conscient de l'instant présent. Vous n'existez que dans l'instant présent. Donc en lâchant un petit peu ses pensées, vous vous reconnectez à vous-même et du coup, à ce moment-là, vous activez votre potentiel. Vous tendez vers la meilleure version de vous-même. Donc ce qui est particulièrement important, c'est de se dire, c'est pas une histoire de passé et de futur, c'est vraiment une histoire d'ancrage dans l'instant présent. Où est-ce que j'en suis dans ce curseur? Est-ce que je suis plutôt sur des vibrations élevées, là dans l'instant présent, ou est-ce que je suis redescendu sur des vibrations beaucoup plus basses? Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je propose un récapitulatif rapide de ce que l'on a vu ensemble. Je disais que vous avez tous un potentiel, on a tous un potentiel inné qui ne demande qu'à être activé, qui ne demande qu'à remonter à la surface. Et pour ce faire, il faut notamment revenir le plus possible à l'instant présent, s'ancrer dans l'instant présent pour réussir à vibrer le plus possible sur des fréquences très positives qui vont être par exemple de la confiance, de la sérénité, vraiment sentir ça en soi parce que c'est dans ces conditions que notre potentiel s'active beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc cela demande notamment d'arrêter de se projeter dans le futur ou repenser au passé pour vraiment faire de son point de référence l'instant présent et c'est l'ancrage, la qualité que vous passez de chaque instant, donc vraiment passer sur cette échelle verticale du temps qui fait que vous allez pouvoir avancer dans votre chemin de vie avec rapidité, avec fluidité et avec réussite. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochains contenus que je produis. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur dans vos idées, dans vos projets et à bientôt pour une nouvelle vidéo.